الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخنا المحدث الفاضل الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: البعث، البعث حق، وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب. Alors, Cheikh Abdullah rahimahullah, dans le livre Al-Sharh Al-Qawim, على الصراط المستقيم, à la page 495, il aborde un sujet qui est la résurrection. Et il a dit, la résurrection est une vérité. C'est quoi la résurrection? C'est le fait de faire sortir les morts de la tombe après que Allah Ta'ala reconstitue leur corps. In kana min al-asad allati ya'kuluha at-turab, si c'est parmi les corps qui sont rongés par la terre. Lima li'an ya Abdallah, li'an ba'd al-asad la ya'kuluha at-turab, asad al-anbiya wa ash-shuhada al-ma'raka wa ba'd al-awliya, certains corps ne seront pas rongés par la terre, comme les corps des prophètes, les corps des martyrs qui sont morts dans les champs de bataille contre les non-croyants, et certains saints. Ces corps restent intacts. Et on a vu beaucoup, les musulmans dans tous les coins, dans tous les pays, ils te parlent. On a ouvert ici, on a trouvé un corps intact, et là, et là. Alors, ces corps qui sont les corps des prophètes et des martyrs, sont intacts et ils reviennent. Mais il y en a d'autres qui sont déjà rongés, brûlés, les poissons les ont mangés, les bêtes féroces les ont consommés. Allah Ta'ala les ressuscite. كل هذه الأجساد التي أكلها التراب أو أكلتها السمك أو أكلتها الوحوش أو احترقت الله تعالى يعيدها على عظم صغير اسمه عجب الذنب. Un petit os en bas du dos qui s'appelle عجب الذنب. Sur cela, le corps sera reconstitué. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Allah Ta'ala a dit dans le Coran l'ayah, comme on a créé les créatures du rien, on les ressuscite et c'est une promesse de notre part, on le fait. Allah Ta'ala ressuscite les corps après qu'ils sont rongés. وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Alors, en parlant d'un non-croyant parmi les idolâtres de Quraysh, qu'il a pris un os dans la main et il a frotté comme ça, il a dit: qui ressuscite ces os une fois qu'ils sont usés, rongés? Allah Ta'ala a dit, dis-lui, ô Muhammad, dit: il la ressuscite, celui qui l'a créé auparavant, celui qui l'a créé au début, il n'y avait rien. Et le Tout-Puissant pour la ressusciter, tout est facile pour lui. Et rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَضَرَبَ أَيْضًا اللَّهُ تَعَالَى الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ. Tu vois la terre, comment il est morte, les plantes sont mortes, ou sont, voilà. Et une fois que Allah ta'ala fait descendre la pluie, اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Comme tu vois, la terre est sec, aride, et les plantes sont secs. Et une fois Allah Ta'ala fait descendre la pluie, il y a les herbes, les arbres qui poussent. Et encore, celui qui a fait, qui a donné à ces plantes de sortir de la terre verte après qu'ils étaient secs, Allah Ta'ala ressuscite les morts de la tombe. Il est le Tout-Puissant. وأول من ينشق عنه القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أهل مكة والمدينة والطائف من أول من يبعث. Alors la première homme qui sort de sa tombe, c'est le prophète عليه الصلاة والسلام, le prophète Muhammad, et les gens de la Mecque, les gens du Médine, et encore les gens de Taif. C'est parmi les premiers morts qui seront ressuscités. أو الدليل على عن البعث قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بالروح والجسد. الله تعالى أدي dans le Coran الكريم dans سورة المؤمنون آية 16 et par la suite vous allez être ressuscité le jour dernier, corps et âme, corps et âme.
أما الفلاسفة قالوا البعث يكون بالروح لا بالجسد، الجسد كيف يبعث؟ الله تعالى الذي خلقه يبعثه. Les philosophes, ils ont dit, oh, c'est pas possible de revenir à la vie, le corps qu'il revient à la vie. Pourquoi vous dites c'est possible? C'est pas possible. C'est lui qui a créé cette personne du rien. Et il est le Tout-Puissant de le ressusciter. حتى لو احترق, même si on l'a brûlé, même si on a pris le cendre et on l'a jeté dans une tempête et la tempête l'a pris sur toute la terre, même supposant cette tempête l'a pris, a pris un bout sur la lune, un bout sur Mars, sur Pluton et sur la terre de le poussière de cet homme, Allah Ta'ala le Tout-Puissant pour le ressusciter. لو أن جسده احترق ورماده ذرة في الهواء فذهب شيء منه إلى القمر وشيء منه إلى المريخ وشيء إلى زحل وشيء إلى الأرض إنما أمره إذا أراد أن يقول إذا أراد شأن يقول له كن فيكون. سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم عليه السلام a dit oh mon seigneur montre moi comment tu ressuscites les morts. قال ولم تؤمن قال بلى والله يعلم. الله sait. Mais إبراهيم il voulait voir et il voulait, est-ce que Allah Ta'ala exauce s'il lui demande de lui montrer? Est-ce que Allah lui accorde? Et comme Ibrahim était un grand prophète, un grand messager, Allah lui a accordé. Il lui a dit, قال تعالى خذ أربعة من الطير. Il lui a ordonné de prendre quatre oiseaux. Ça a été dit corbeau, coq, pigeon, un autre. Et il les a égorgés, épluchés. Et il a mis leur chair, et il l'a moulu, il l'a mélangé. Et il a mis sur quatre collines un bout. Et puis après, il s'est éloigné et il les a appelés. Alors, une fois qu'il a dit, venez, par un clin d'œil, chaque partie de la viande, de la chair est revenue. Et en ayant les plumes, et ils sont venus vers Ibrahim en volant. Faïvan, on ne doute pas au sujet de la résurrection et on ne doute pas qu'Allah est le Tout-Puissant. Allah Ta'ala ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Vous connaissez qu'on est des milliards. Actuellement, il y a des milliards. Et depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est des milliards. Avec Agog et Magog, c'est des milliers des milliards. Allah a dit ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Le fait de créer des milliards, mille milliards parmi les êtres humains, chacun il a l'empreinte d'œil, l'empreinte du voix, l'empreinte des doigts, l'ADN, et je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a encore comme empreinte qu'on n'a pas encore découvert. Et l'ADN, tout ça, c'est des choses, lorsque tu vas là-bas, c'est une forme de géométrique étrange. Et chaque être humain, il a une forme spéciale à lui, et l'œil, on est 6 milliards œil, hein, c'est voix 2, c'est 12 milliards, et chaque œil est là son empreinte. Les doigts, tu vois le pouce là, combien? 2 centimètres. Chaque être humain, il a une empreinte. Mais regarde, qu'est-ce qu'il y a ici? Mais regardons là les dessins de l'empreinte. Tu peux faire une photo et l'agrandir. 12 milliards, et chacun, il n'est pas comme l'autre, différent de l'autre là. Allah Ta'ala est le Tout-Puissant. Rien n'est difficile pour lui. Rien n'est difficile. Des fois même tu vois jumeaux. Mais quand même, la voix, il y a quelques degrés de différence entre celui-là et celui-là. Allah Ta'ala, le fait qu'il crée une personne ou 12 milliards ou 1000 milliards, c'est pareil. C'est pareil. Tout est facile. Rien n'est difficile pour lui. والذي ينكر البعث لا شك من الكافرين والذي ينكر البعث بالروح والجسد من الكافرين. Celui qui nie la résurrection est mécru. Celui qui dit oui la résurrection c'est par l'âme, c'est pas par le corps encore, il a mécru. والحشر حق وهو يجمع بعد البعث الى مكان ويكون على الارض المبدله. La résurrection est une vérité. Après la résurrection, il a le rassemblement. Le rassemblement est une vérité aussi. الملائكة تسوق هؤلاء الناس إلى مكان تحت الصراط. Au début, chaque personne, lorsqu'il sort de sa tombe, deux anges le conduisent vers un endroit sombre sous le pont. Puis la terre va être échangée. هذه الأرض تتبدل. Il n'y aura plus de montagnes ni des vallées. Elle sera plate.
et sur cette terre, les gens ils vont être rassemblés. Et après, ils vont être sur la terre. Et le lieu de rassemblement, c'est le pays du Cham. Là, tu dis Palestine ou l'Urdun. Là, c'est ça le pays du Cham, le Liban, la Syrie. C'est Min al-Arish et la Qariya Isma Balis. Là, de ce coin-là, s'appelle le Cham. Les gens, ils vont être rassemblés là-bas. ويمكن أن توسع هذه الأرض أو أن الناس يتوجهون إليها. Ça veut dire soit le pays du Cham soit élargi, soit les gens ils vont venir pour remplir cette place et sera leur direction vers le pays du Cham. C'est le lieu de rassemblement. هي أرض المحشر. بر الشام هي أرض المحشر يحشر الناس إليها. وهي أكثر الأنبياء كانوا أين؟ في بلاد الشام. La plupart des prophètes étaient là-bas. Ibrahim عليه السلام وأولاده كانوا في فلسطين. Ibrahim, إسحاق, يعقوب. هما ثم هو أتى أخذ ابنه إسماعيل إلى مكة المكرمة. Mais la plupart des prophètes étaient dans le pays du Cham. يوسف, يعقوب, إسحاق, Ibrahim. Leur tombe c'est dans le pays du Cham. Même Moussa عليه السلام. Moussa عليه السلام. Il est encore enterré là-bas. À côté, il a demandé à Allah Ta'ala que sa tombe soit proche de la terre bénie à une lance du pierre. Allah lui a accordé. Les gens seront assemblés sur trois catégories. خصم طاعمون كاسون راكبون على نوق رحائلها من ذهب وهم الأتقياء. Il y a un groupe qui seront sur des chameaux. Ils ont des habits, ils ont de quoi manger. Et ces chameaux, là, ils sont embellis avec de l'or. Et ils sont sous l'ombre du trône. Et depuis la résurrection jusqu'au aller au paradis, c'est comme la prière de l'Asr qu'on a fait. La durée. La durée, c'est une durée de 50 000 années, mais ça passe vite pour eux, comme c'est comme une prière. Pour eux, ce ne sera pas rapide. On leur a annoncé le paradis, l'agrément de Dieu. L'ange, avant la mort, il lui a annoncé le paradis. En sortant de la tombe, il lui annonce l'agrément de Dieu et le paradis. Et lorsqu'il va au paradis, encore, il y a des gens qui les accueillent de parmi le Hour el-Ain, de parmi le Wildan al-Mukhalladin, il lui dit, « Bonne nouvelle pour toi, Allah Ta'ala a préparé pour toi beaucoup de choses, telle chose et telle chose. » Parce que chacun, il a au minimum 10 000 serviteurs, minimum 10 000. Serviteurs, 10 000, chacun il est plus beau que le soleil et la lune. كل واحد أجمل من الشمس والقمر. هؤلاء يخدمون أهل الجنة. Il y a les épouses de parmi le Hour el-Ain. Si elle montre son visage, ça illumine de l'est à l'ouest. L'épouse, elle est toujours jeune. Elle ne vieillit jamais. Elle n'aura pas les monstrues. Elle n'a pas la mauvaise odeur ou l'hélène de la bouche ou elle ne devient pas vieille à un certain moment. Elle est toujours jeune, elle est toujours belle, elle n'a pas les maladies, elle n'a pas les monstrues, elle aime son mari, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de divorce au paradis, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de complot contre les hommes. Il n'y a pas tout ça. Et il y a 10 000 minimum. Il y en a certains, peut-être il y a Rabbuka Alam, est-ce qu'il y a certains qui a 100 000 ou 200 000? Même le Hour el-Ain, il y a des femmes de le Hour el-Ain qui sont plus belles que d'autres. Parce que ce n'est pas celui qui a prié toute la nuit comme celui qui a juste fait les cinq prières. Ce n'est pas celui
qui jeûnait lundi, jeudi, comme celui qui jeûne seulement le Ramadan. C'est pas celui qui donne la zakat à la fin une fois par année, comme celui qui donne tous les vendredis et sa maison est ouverte, les pauvres ils leur donnent. C'est pas comme celui qui dit bon moi je suis à la maison et l'autre qui court à droite à gauche, il enseigne celui-là, il conseille celui-là, il aide le pauvre, il fait la dawa. C'est pas pareil. C'est pas pareil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Tu fais du bien à l'équivalent de grains de poussière, du bien tu trouves. Alors que dit-on pour celui qui a passé tout le long de la vie, Cheikh Abdullah, lorsqu'il est venu au Liban, depuis qu'on a connu, presque toute la journée et la nuit s'est consacrée pour la da'wah. Un petit moment pour lui, pour manger, pour dormir. Sinon tout le reste, c'est pour la da'wah. Sa maison à lui a ouvert. Regardez, dites-moi quel mufti. Dites-moi aujourd'hui, qui est, il est où, celui qui ouvre sa maison depuis 9h du matin jusqu'au soir. Mais quelqu'un qui ne donne pas d'importance à ce bas monde et qui court pas derrière ce bas monde, il fait ça. Mais la plupart de ces gens-là, comment dire, voilà, ils cherchent le luxe comme les autres. Moi, j'ai jamais vu le Cheikh Abdullah devant la télé. J'ai jamais vu le Cheikh Abdullah en train de compter d'argent. Jamais. Voilà, marra bi hayati. رأيته ينظر تلفازا مم 5 مينوت ما رأيته ينظر يعني واحد ممكن يقول له صار كذا صار ان دو سيز اليف il dit il y a telle chose qui a eu lieu, il y a telle chose, il y a une guerre quelque part, mais lui qui regarde la télé pour les news, jamais. Ou compter de l'argent, jamais. Il dit à celui-là, il dit voilà, il met ça bas, compte, il y a combien, met à telle place, après il dit donne à telle personne. Il n'a pas compté même 1000 dollars ou 1000 francs, il n'a jamais compté de l'argent. Subhanallah al-Azim. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. C'est un mérite de la part de Dieu. Le fait que la personne, Allah Ta'ala, lui donne l'ascétisme, le délaissement du bas monde, et il lui met dans le cœur l'amour de travailler dans la da'wah, c'est un don de la part de Dieu. Il y a une différence entre une personne qui ne sait dépenser que pour lui-même. La viande, après le dessert, c'est le dessert glacé avec ce bouton. Après le dessert, il y a le thé ou le café. Après, voilà, nagreshna, kajou, laos, jokaza. Après, voilà. Et il sait dépenser que pour lui-même. Et il y a d'autres qui prend, comment dire, un peu du pain et le reste, il le dépense, fisabilillah. Le cher Abdullah était dans la deuxième catégorie. وقسم حفاة عراة وهو المسلمون من أهل الكبائر. Alors il y a deuxième catégorie sous la chaleur du soleil. Sous la chaleur du soleil, il ressent la longue que la journée est longue, parce qu'il veut, il demande à Adam d'intercéder, il demande à Nuh, à Ibrahim, à Moussa, et chacun il dit je suis pas cet homme. Après Isa il dit allez vers Muhammad alayhi salat wa salam, et Sayyidina Muhammad il intercède. En général, l'intercession tranchante et une grande partie seront soulagées de ce châtiment, de cette chaleur le jour dernier. Mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans ils seront épargnés, mais une grande partie seront sauvés par l'intercession du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. هؤلاء أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة. Ceux qui ont fait des grands péchés, qui sont morts sans se repentir, et Allah Ta'ala ne leur a pas pardonné. C'est parce qu'il y en a certains, peut-être il a fait des grands péchés et il a fait certains actes qu'Allah a acceptés et Allah lui a pardonné. Mais ça dépend à qui Allah Ta'ala a voulu le pardon, et c'est une chose inconnue pour nous. Nous, on doit avoir la crainte et on doit prendre toutes les précautions pour ne pas tomber dans les grands péchés. يعني لا ندري من يغفر الله له من يرحمه من لكن المطلوب منا نحن ان نخاف ونحذر من الوقوع في الكبائر ولو وقعت في الصغيرة تعجل في التوبة. Même si tu fais un petit péché, tu refais tout de suite la repentance. وقسم يحشرون ويجرون على وجوههم وهم أهل الكفار يلقون في النار. Alors il y a ceux qui sont tirés sur leur visage, seront sur la tête, rassemblés sur la tête.
وعن un certain moment aveugle. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Se rassembler sans voir. Il dit, mon Seigneur, j'étais dans le bas-monde de quelqu'un qui voit, pourquoi je suis aveugle aujourd'hui? Oui, tu as eu nos versets, tu as vu, entendu, c'est-à-dire les prophètes récitent nos ayats et tu n'as pas cru, alors aujourd'hui tu seras délaissé de notre clémence. À un certain moment, Allah Ta'ala fait bloquer leurs paroles et c'est leurs mains, leurs pieds qui vont témoigner. Et ces gens-là, elles disent au ce jour, « Oh Allah, soulage-nous, même si à l'enfer. » Tout ce que tu vois, nous, on ouvre maintenant les fenêtres parce qu'il y a une pièce dans la machine de climatisation et en panne. Alors, bonne nouvelle, vous l'auriez dans un mois. « Qu'annana fi Lubnan » Et cette chaleur, on ne la supporte pas. Il y a des gens qui disent, le cours, quand est-ce va terminer, cher, s'il te plaît, ne fais pas long. La chaleur. Aïe, chaleur. Quelle chaleur, mon frère? Tu as vu quoi de chaleur, toi? Toi, tu as vu de chaleur? Toi, tu t'imagines le jour du jugement, lorsque la transpiration arrive jusqu'au bout des oreilles, tu imagines chaleur jusqu'à que la sueur arrive jusqu'aux bouches, jusqu'à la bouche. العرق يصل الى الى ما يحاذي الشفا الى ما يحاذي الاذن بيعمل هيك il fait comme ça parce que la sueur arrive jusqu'à là, sa propre sueur à lui. Ça c'est une chaleur, ça c'est une souffrance. Alors le mécréant il dit, oh Dieu, soulage-nous de ça, même si on va aller en enfer. Mais l'enfer c'est le four, c'est le feu noir, c'est le feu noir, c'est le pierre seront brûlés là-bas. Le mécréant là-bas dans Jahannam, tu sais le kafir, yani chou Jahannam akbar min Suisse, le kafir le واحد. Un mécréant, il est plus grand que toute la Suisse, ma al jbal al alb akbar. Parce que c'est postérieur du mécréant 450 km, 450 ou 500 km. Alors dans la taille 2500, c'est plus grand que la Suisse. Une dent comme une montagne, 32 dents, 32 montagnes. La peau, c'est trois jours la peau, un instant sera brûlé. Alors il dit, arihna min hadha wa law ila an-nar, même si à l'enfer, et l'enfer c'est le grand châtiment. Ala kullin, hadha yakun yawm al-qiyamah wal adhab al-akbar huwa adhab jahannam. Ces événements auront lieu le jour du jugement, le plus grand châtiment c'est le fait d'être dans jahannam. Mais ce qui est terrible, ce qui est douloureux, ce qui est très très dur, c'est le fait de, on leur dise, vous y restez éternellement, innakum khalidun, vous seriez ici sans jamais mourir. Mais imagine-toi, tu es dans une marmite, à l'eau chaude, et tu es en train d'être cuit. Une fois que la peau est cuite, il y aura une autre peau, seulement ça. Et ça, c'est une partie sur 70, le feu d'ici. C'est une partie de 70. Tu oublies un peu la douche. La douche, de toute façon, nous, la température de la douche, c'est pas 100 degrés Fahrenheit. C'est à peine 40. Hein? Mais nous, on se douche en ayant 30. Je ne sais pas, 25 ou 30 la degrés, ou quelque chose comme ça, 35. Mais si ça passe à 60, tu danses, tu sautes. بتنط ما بتحط شو هيدا هيدا إذا نزل عليك شوية مي سخنة وإذا كنت عم تغلي بالطنجرة أنت نفسك في il y avait des gens qui ont fait ça. Ils mettaient les gens Pharaon, il a mis, il y a certains mécréants, il y a certains mécréants, je ne sais pas qui, Genghis Khan là, celui le Tatar là, Genghis Khan, il y a des gens qui l'ont combattu, il a pris victoire, il n'a pas pris l'armée, il a pris les commandants, 40 commandants, il les a cuits, il l'a fait cuit pour que les gens n'osent pas le combattre. Mais si tu imagines que la personne, il va être tout le temps cuit, alors si tu dis il est dans le feu noir, إذن أعظم مصيبة الموت على الكفر لذلك الله يزي كل الجزاء عنا خيرا الشيخ عبد الله الذي علمنا أقسام الكفر وحذرنا من كفر التسيم والتشبيه الذي جاء به ابن تيمية وابن كرام وابن عبد الوهاب. Le fait de mourir mécréant, c'est ça le plus grave. Le fait de mourir mécréant.
comme ceux qui insultent Dieu. Je dis, Cheikh Abdullah, rahimahullah, il est venu, il nous a enseigné les trois sortes de mécréances. Mécréance par la parole, celui qui insulte Dieu et les prophètes, et le Coran et l'islam. Et la mécréance, le fait de croire que Dieu est encore assis sur le trône, comme ils enseignent tout le temps al-Wahhabiyyin, ceux qui suivent Ibn Abdul Wahhab et Ibn Taymiyyah, ça c'est de la mécréance, comme il a dit l'imam Shafi'i, Abu Hanifa et l'imam Ahmed. Et il nous a enseigné que le fait de jeter le Coran dans la poubelle, ou piétiner le Coran, ou se prosterner pour les idoles, c'est la mécréance par les gestes. C'est, si tu meurs en ayant une sorte de mécréance, c'est ça le plus grave. Hadha al-khatar. C'est pas le fait d'avoir des dirigeants comme les dirigeants de Liban, c'est pas la grande épreuve, le fait d'avoir des mafias qui te gouvernent. Oui, c'est un petit problème ça, par rapport à celui qui meurt mécréant. Non, t'as عايش ببلد في ظلم ومافيا وحكام ظالمين. Eh, مصيبة. ولكن مصيبة الأكبر أن تموت على الكفر. ليست هذه أكبر المصائب. C'est pas ça la plus grande épreuve. La plus grande épreuve, c'est le fait de mourir mécréant. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.